3, 2, 1. Donc, il y aura du Overcooked 2. Oui. Voilà, elle est contente. Ah, elle est... Oh. Hey, c'est une femme, un jeu de cuisine, hein, voilà, hein, pour pas rentrer. Oh, ouais, il a tout gâché. Mais oui, mais vous savez que ça va retomber dessus. Oh, regardez comment il est bad chose. Ah, franchement, t'es pas dans l'air du temps, t'es pas sans 2020, toi, merde. Ouais, ouais, en mode 2020, c'est vraiment parti en couille à l'instant où il a sorti cette phrase. Toi, t'étais vraiment, t'es pas woke. Ça y est, t'étais pas dans un drama jusque-là, mais là, t'es dans le premier drama, là. Ah, là, c'est bon, j'ai t'affiché sur les réseaux et sur mon blog, attention. Il est en haut. Ah, bon, moins 140, ça devrait le faire. Eh, moins 140, ça devrait le faire. Il s'est foutu en l'air. Mais bien, il s'est brisé la nuque au moment d'atterrir. Mais c'est bizarre parce qu'il a chuté genre un ragdoll à l'ancienne, frère, tu vois. On peut baiser sa meuf sur un flipper, Bibs. Écoute, Charles, tu me passes le numéro de ta copine et puis je peux essayer pour toi, frérot. Et puis je te dis, je te tiens en jus. Je te dirai si le flipper a tenu ou pas. Hein. Et je filme, bien sûr. J'avais dit que je filmerais quelques parties de flipper. Je compte sur toi, évidemment, pour filmer tout ça. On attend le numéro MP. T'envoies le numéro, t'envoies un petit snap pour me mettre l'eau à la bouche et on voit ça très vite. Wouh ! Dernier joueur en vie. Vas-y, je pouvais même plus jouer là. Attends, toi, faut que t'arrêtes de sucer des queues comme ça. Hein, mais toi, mais gros, hein. Mais toi, tu suces, t'avales et tu recraches et tu ravales, mon gars. Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, bah parce que j'aime bien. Dès qu'il y a un dragon quelque part, t'es là, tu fais des gorges profondes de dragon. Les gars, arrête un peu. Tout ça parce que j'adore Skyrim, ça te fait chier que j'aime Skyrim, ça t'emmerde. Ça t'emmerde que j'aime Skyrim. Mochiez, je sais pas, Mochiez, t'en penses quoi de Rogue Company? 25 sur 20. Putain. Ouais, très beau graphisme, réaliste, VR. C'est un jeu mobile, mais sans PC. Ah ouais, ça va falloir le coup, putain. Hop, merci. De quoi t'embrouilles un mec, pourquoi? Un couple de darons, hein, genre 45-50 ans, en caisse, tu vois. Et les mecs, ils portaient leur masque sous le nez. Ils étaient collés, tu vois, en plus, il n'y avait pas de distanciation et tout. Et je fais, excusez-moi, mettez votre masque correctement, s'il vous plaît. Et le mec, il fait, ah, c'est bon, faut arrêter la quoi? Attends, qu'est-ce qu'il a de bon, arrêter la... Faut arrêter la parano. Faut arrêter la paranoïa. Je fais, mais de quoi la parano? Je te dis, tu mets ton masque. Regarde Loulou, il est myope à 99%, faut le savoir. Non, c'est une taupe, c'est une taupe, Louliane. Mais elle est en train de partir. Madame, arrêtez, vous êtes tombé. Madame, oh putain de merde. Arrêtez. Madame, arrêtez. Stop, wow, s'il vous plaît. Loulou, t'aimerais combien de gosses? Deux? Ouais. Mais t'as cru que t'étais où? À un McDo ou quoi? T'as cru que ça se commandait? Deux gamins qu'il veut, celui-là. Il veut deux gamins, Loulou. Ouais. T'imagines des petits loulias? C'est les trucs qui t'attaquent dans le mode zombie et tout. Des gravillons. Assis-toi pour voir. Pour voir si dans tes neurones tout va bien comme prévu. Non, j'ai une crampe. Ah, toi aussi. Ok, donc toi aussi. Il restait que lui. Ouais, t'as quoi? J'ai la PS2, j'ai la PS3, PS4, PS5. Voilà, exactement. PlayStation, exactement. Tu vois, si tu veux le dire en entier. Mais ouais. Là, t'as quoi comme Xbox? J'ai la XSX, mais mon cousin, il a la XSS et il m'a dit que c'était beaucoup mieux que la XOX. Par contre, la XOX, l'avantage, c'est qu'elle a un lecteur Blu-ray, alors que la XOS n'a pas le lecteur Blu-ray. Ouais, mais la XSX est beaucoup mieux, parce que c'est vrai que la XSX, elle est quand même en Ultra HD, alors que t'es là, t'es en mode, hey, PS Slim. PS pas slim, PS pro, PS pas pro, c'est tout, y'a pas de... 392. Oh putain! Madame, faut arrêter de mettre des... Faut pas mettre des coups comme ça, madame. J'ai rien fait, je vous jure. Ouais, mais là, ça commence, il faut arrêter. Attends, raccroche, je crois que la dame, elle veut se battre. Si j'ai pas de gamin, si j'ai jamais de gamin, si tout le monde autour de moi est cané, eh, nique sa mère, je vais en maison de retraite et je me tape mes meilleurs jeux d'échecs et mes meilleurs jeux de dames avec mes compatriotes. Ça se trouve, il y aura des viewers avec moi, j'en ai rien à péter. Je serais, tu te souviens, il y a 50 ans, quand tu me regardais et que tu te branlais sur mes lives, c'était la bonne époque. Ah oui, on peut dire qu'on a survécu. Oui. Rapprochez-vous un petit peu, oui, voilà. Bien sûr. Parce que là-bas, c'est bizarre, la lumière, oui. Elle m'éblouit. Ah, monsieur, faut sortir. Monsieur... Voilà, vous avez trouvé la sortie, monsieur. Non, mais je vais fermer, Oui, bah c'est un coffre aspirant, hein, vous savez bien. C'est vrai que... J'espère que vous n'avez pas croisé quelqu'un là-dedans. Non, ça va. D'accord, ok, bon. Ça va, on a de la chance, alors. In-game footage. Regarde la gueule des vagues et tout. Ça a déjà plus le même goût que la cinématique. Ah, c'est pas pareil, hein, ah, c'est... Ah, là, c'est plus la même, hein, la physique de la flotte, attention. C'est laid. C'est laid, mais qu'est-ce que c'est laid, putain. Gros, ils te mettent une cinématique de ouf,
plus de pizza derrière, je suis mort. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Pense évidemment à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Mets ton plus beau like et surtout, glisse ton meilleur commentaire. Merci, je compte sur toi. Qu'est-ce que tu fais avec ton alter? Il a pas le tapon. Ah bah... Vous avez un problème avec les coffres dans cette ville, c'est pas possible. Faut sortir, hein, Jameson. Tour de magie. Oh. Alors, t'as fait ça? Ah bah ça fait 2 mois que je travaille celui-là. Voilà. Anthony Gondaref. Viva la révolution. Hasta siempre, Cabrera. Mi segunda. Ah si, c'est la cocaïne et la farina. Ta cosa. Shakira Berrera. Ah si, c'est la puta. Manuel Rodriguez Sanchez. Eric Valdez. Mercedes Mori. Ah si, c'est le pimento, c'est la cocaïne et la casa. Vas-y, mettez-vous à l'aise. Attendez, est-ce qu'il faut que je me rappelle? Ah, alors, pour t'asseoir, il faut fléchir les genoux. Ah oui. Ouais, genre, voilà. C'est... Vous savez, dans la vieille musculation, on m'a appris à faire la chaise. Moi, j'ai inventé le fauteuil. Ouais, bah, putain, c'est le sofa que vous me faites. Hein. Après, bon, voilà. Les gars, un boulot, c'est un boulot, les frères. T'as jamais été en retard, Loulou? Ah non. Non, t'as jamais manqué un jour ou un truc comme ça, toi? Eh bah, tu lui dis, écoutez, moi, je suis motivé. Regardez ma tête, je ressemble à une poubelle déjà, donc. Voilà, nickel. Ah, et là, ça va, t'as rien. Oh, moi, je suis bien, je suis serein, là. Ok, d'accord. Okay. L'important, c'est que toi, tu sois serein, d'accord. On s'inquiète pas du tout. Tant que t'es serein, ça va. Y'a pas de soucis. Je te fais entièrement confiance. Mec, je l'ai tué avec la T45M. Je sais pas comment j'ai fait pour le tuer. Et non. Le combat de Trise. Oula, attention, vous avez un... À quoi? Oui. À quoi? Parce qu'il est allergique, hein. Ouais, d'accord. Un scolopendre. Putain, scolopendre. Vas-y, tu le... Voilà, tu le... Non, hop. Scolopendre. Scolopendre. Voilà, fais gaffe. C'est un scolopendre. Hop. Poussez-vous, c'est un scolopendre. Oh, putain. C'est bon. C'est bon, on l'a eu. Putain de scolopendre. Il est allergique, désolé. Ah, mais si lui en met une ou deux dans les lièvres, il va plus bouger. Je suis débile, je ne comprends pas. Je comprends. Allez, pas. Non. Et il a des bons pieds, pas. C'est bon, il est tombé. Et il a les meilleurs pieds du paf, hein. Salut Manon, ça va? Oh, elle est bonne. Elle est bonne, la moquette. Elle est bonne. C'est de la bonne moquette, ça. Ça, c'est de la très bonne moquette, hein. C'est même des bonnes plantes. C'est beau poster. C'est vraiment... Oh, c'est vrai. Tout est beau ici, hein. Capitano, s'ils sont en bas, t'essayes de te planter. Comment il te donne des ordres? Il est ouf. T'entends dis quoi, là? S'ils sont en bas, t'essayes de te planter derrière. Fais gaffe, Taras, toi. Un plaisir de jouer avec. T'as dit quoi, Namer, là? Oh merde, je vais mourir! Non, c'est bon. Vas-y, va dedans pour voir ce que ça fait. C'est quoi, c'est... Ah, mais non! Non, mais... T'es même pas pris en compte, gros! Et c'est même pas que t'existes! Non. Nice. Il a géré. Yo, au début on t'aimait pas, maintenant on te kiffe, mec. Fais plaisir. Laisse faire un professionnel. Non mais gros, je faisais des kills, c'était improbable. Hein. Oula, calme-toi, Tom Rider. Aïe, ça va pas de tirer des flèches comme ça. Aïe, c'est complètement malade de tirer des flèches comme ça, hein. Bon alors, hein, les gars. Allez, envolez-vous. Je vous ai libéré. Non, c'était votre œuf. Attends, les gars, si on a un de vous quatre là qui a chié un truc comme ça, hein, ça doit faire chou-fleur en RTX. Excuse-moi, frérot, non, je suis désolé, pars pas. Il est parti se foutre en l'air. Mais qui les con? Ah, au fait, Bibou, t'as vu pour Valorant là? On va pouvoir enlever nos codes barres. On s'en fout. Ok, merci Sophie. Hein. Oh la pizza. Pizza, va que pepperoni. Si, una crepe, una pizza, poltrone sofa. Una pepperoni. L'artisan de la qualità. Voilà, je veux du poulet. Ah bah. Non, ma femme est tombée. Et lui, il a eu le 6 chiffres, donc déjà de base, plus le chiffre en plus qui permettait de doubler les gains. Oh, putain. Donc le truc te met giga yin. Ils appellent ça le Golden Mega Bowl. Ah bah, je peux dire que le mec, il y a une sacrée paire de Golden Mega Bowl.